Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concerts, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Et Camille est où? L'autre côté, en 15e. Chacun fait sa manifestation, on dirait. Oh, mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas grave. C'est toi qui nous as conduit en erreur. C'est pas bon. Non, faut pas dire en fait qu'on conduit en erreur. Arrête de répéter ça, frère. J'ai conduit personne en erreur. Il y a personne de la Libye, c'est là. C'est pas là, dans le 15e. Ils avaient changé là. Il y avait des têtes d'hommes. Ils savaient pas que le porte de la Libye, c'est là. T'as fait ça en retard, en fait. T'as pas compris, toi. En fait, c'est quoi parce que je te dis. L'adresse, attends, je compte deux secondes. J'ai dit une chose qui était simple. L'ambassade de la Libye, normalement, se trouve ici. Sauf que ça fait un mois qu'ils ont changé, ils ont déménagé. Les gens n'étaient pas au courant que l'ambassade a déménagé. Donc j'ai pas en fait envoyé une mauvaise adresse, j'ai donné la bonne adresse aux gens. Parce que l'autre ambassade, il n'y a plus personne là-bas. Celle-là, c'est la bonne adresse. L'autre là-bas, c'est la mauvaise adresse parce que personne n'est là-bas. T'as compris? Bah non. Faut pas donner une mauvaise adresse aux gens. Là, on fait bien. C'est bien même. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait de mal? On bloque. On bloque les Champs-Élysées là. Donc, on est en train de voir la mobilisation qui s'est faite là aujourd'hui là. Et la détermination des Africains à montrer qu'ils ne se laisseront plus jamais marcher dessus. Vous voyez, là on est en train de marcher vers l'Arc de Triomphe au niveau des Champs-Élysées. J'invite tous ceux qui sont disponibles à nous rejoindre ici. Ceux qui vont aller dans le 15e arrondissement, qu'ils aillent aussi. Mais nous ici, on est en train. On va continuer jusqu'aux Champs-Élysées, on va marcher jusqu'au palais de l'Élysée pour dire à Emmanuel Macron et à l'État français que leurs conneries ont amené aujourd'hui à ce que les Noirs soient emprisonnés, soient pris de manière captive dans les pays arabes du Maghreb comme la Libye. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Arrêtez de faire la gueule. On est trop nombreux en plus. Hein? Donc, allez-y, on y va, on y va, on y va. Marchez. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Casser la manifestation. On avance, on avance. Bon là, il y a au moins 3000 personnes ici là. Moi je pense qu'on va laisser la route, on va prendre. Non, 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 non. On marche sur la route. Ah ouais? Ouais, on marche sur la route. Ça sert à rien de marcher sur le trottoir. Qu'est-ce qu'on va faire sur le trottoir? On marche sur la route. Allez, allez-y, allons-y. On y va. Garde une voie, au moins. T'inquiète pas. On va marcher. Pas une voie, on bloque la route. Non, mais garde une voie. Reste pas du tout. On marche de cette manière-là, frère. Ça sert à rien, pourquoi? Les malades qui vont aller à l'hôpital ou le truc comme ça. Mais ça, on laisse passer qu'il y aura des ambulances. Assassin! T'inquiète pas. On va commencer à avancer. Il faut anticiper sur moi. Ouais. C'est les personnes qui sont venues pour l'ambassade de la Libye dans le 16e arrondissement à deux rues Charles Lamoureux. Et là, comme je vous l'ai dit, on est en train de se diriger sur les Champs-Élysées vers le palais d'Élysée. Donc, on vous met sur Donc, là, on est en train de marcher vers le palais d'Élysée. On vous attend en fait nombreux pour montrer votre mécontentement. Et dire que plus jamais les Africains, on ne se laissera faire. S'il y a un pays qui ose s'ingérer dans les affaires africaines, dorénavant, la diaspora africaine montrera son mécontentement vis-à-vis des pays qui sont responsables de ces choses-là. Donc là, on continue à marcher. Et comme je vous l'ai dit, on vous attend en fait nombreux à nous rejoindre
le mouvement et montrer votre mécontentement. Merci à vous. Continuez à regarder. Donc, bravo et fier de toi, frère. Continue. Merci. Continue. Voilà, je viens d'être content là. Là, le fait d'avoir vu la plaque arrachée de la Libye là, de l'ambassade, je suis heureux à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà ce qui doit arriver. Et même là, limite, ça c'est encore gentil, c'est petit. Ouais. Normalement, ça aurait dû être encore pire par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on fait à nos frères. Normalement, ça aurait dû être encore pire. Eh, hey, faites vite là, ils sont en train de bloquer. Allez, avancez, c'est bon, on y va. Au-delà des slogans. On y va, il y a les CRS devant, on avance. Au-delà des slogans qu'il y a sur Facebook, c'est en train de dire pourquoi. Venez, le drapeau n'est encore bien soutenu. Si, hein. Et le problème, c'est que le problème. Là, on va à l'Elysée. Ça a existé, mais pas de cette manière-là. Ouais. Là, on va à l'Elysée. On va aller signifier à Emmanuel Macron. Allez, on y va, on marche. Allez, on y va. Donc comme je l'ai dit, même ce qu'on vient de faire là, ce petit, par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Les Africains ne se laisseront plus faire. Regardez aujourd'hui la mobilisation. Ouais. Courage à ce brave monsieur. Grâce à lui aujourd'hui, nous sommes mobilisés ici en France. Grâce à ce monsieur qui a donné le mot d'ordre et tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti ici à Paris et direct sur le Champs-Élysées. Courage, chapeau à toi mon frère. Merci à toi frère. Ouais. On est ensemble, Ingeta. Donc, la mobilisation ne fait que commencer. Donc, là on se retrouve à 200 mètres de l'Arc de Triomphe. Là il commence à avoir un barrage de policiers qui est en train de s'installer. Donc on doit faire assez rapidement. On est parce plus que sinon... des 600 là-bas. Où ça? Ben sur les champs. Il y a 600 personnes. Bah nous on était là-bas. D'accord, bon on va tous sur les champs alors. Bah oui. Comme ça on va rejoindre les autres. Bon. On avance sinon ils vont nous percer ici là. Ouais. Parce que là-bas ils commencent à bloquer déjà. Ouais j'ai vu. Pardon. Merci d'être venu. La mobilisation a été forte. Voilà ce que les Africains doivent montrer comme message quand on nous piétine dessus. Quand on nous marche dessus, la réaction doit être forte et doit être intransigeante. Vous voyez ? Là, le fait qu'on soit venu aujourd'hui, on bloque les Champs-Élysées, on va montrer à la France qu'on est mécontent de la politique que la France a menée vis-à-vis de l'Afrique depuis la colonisation et même avant la colonisation. Donc, merci et on est encore mobilisé. Assassin, Libye, 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 Assassin, Libye,
gaz. Bah, allez, on avance. Allez, on y va, on y va. Il va gazer tout le monde. Allez, on y va, on y va. Dispersez-vous, dispersez-vous. Allez, on y va, dispersion. Allez, allez. Allez, dispersion. Dispersion, allez-y. Allez, avancez. On y va. Eh, c'est pas fini, on y va. Vous n'êtes pas conseillé le groupe. Il jette des grenades. Venez ici. Allez, allez, on y va. Bon, qui prennent les Africains pour des rigolos. Les Africains de Nian ne seront plus les Africains d'aujourd'hui. Si un Africain est touché, peu importe dans quel endroit dans le monde, on manifestera aujourd'hui notre colère. Donc, comme c'est la France qui a été responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Libye, avec les États-Unis et l'Angleterre, bah voilà, voilà ce qui va arriver. Les Africains vont manifester leur colère de manière la plus virulente possible. Sur les Champs-Élysées, on va sur les Champs-Élysées. Ils veulent nous défendre, ils veulent nous défendre. Allez, on y va. On va sur les Champs-Élysées, allez, on y va. Ils font quoi là? Pourquoi est-ce qu'ils restent bloqués là? Et là, ils vont nous bloquer là-bas. Si on reste là-bas, on va rien faire. C'est trop con d'aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils restent là-bas eux là? Vous avez vu ça? Je pense que depuis que je suis militant, que je suis manifestant, jamais j'ai vu les Africains se mobiliser de cette manière-là. Imaginez-vous qu'il y a deux rassemblements conjoints à deux lieux différents qui réunit plus de 5000 personnes. Je pense jusqu'à la date actuelle, ça ne s'est jamais réalisé quelque part dans Paris. Il y a au moins 5000 personnes qui sont vers le 15e arrondissement du côté de l'ancienne ambassade de la Libye. Et là, on est au moins 5000 sur les Champs-Élysées avec les forces de l'ordre qui sont en train de nous essayer de nous stopper pour nous empêcher d'accéder aux Champs-Élysées. Donc, je veux le dire, ça fait 7 ans que je suis manifestant et c'est la première fois qu'une chose comme ça en fait arrive. Regardez ça. Recule, va te gazer, on s'en fout de lui. Ils attendent un truc, non, sortez. Ils attendent un truc, non, sortez. Eh, les frères, les frères, les frères. Eh, vous faites quoi ici? Calmez-vous, calmez-vous. Non, non, ils nous laissent pas passer par là. Il faut passer par autre pas. Assassin! 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 Assassin!
pas de problème. Qui vient de s'asseoir ici, on vient ici. Non, mais s'asseoir. Mais vous, Il faut qu'on mette sur les Champs-Élysées. C'est un autre débat. Quand ils vont vous charger, on va un problème. Là, il faut pas que les gens ils bougent. Parce que s'ils on bougent, va aller sur les champs. Ils apprennent que ça. On va aller sur... Mais on s'en fout du champ. Mais les gens ils courent. On va aller sur les champs. On va sur les champs, frère. On y va. Sur les champs. On y va. Allez, on y va sur les champs. Sur les champs, Élysée. Allez, on y va. On va sur les champs. On va sur les champs. Ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. On court pas. On va sur les champs. Fais ta bloc. Fais ta bloc. Fais ta bloc. Fais ta bloc. Ne courez pas. Allez, allez, on va sur les Champs-Élysées, faites pas. On va sur les Champs-Élysées, allez. On va sur les champs, allez, on y va. Allez, sur les champs, on y va. On va sur les champs, allez, on y va. Faites quoi, là? Allez, on y va sur les Champs-Élysées. T'as pas mis le soleil, toi? Calmez-vous. Vous calmez pas. Allez-y. Vous mettez des patates, vous allez dire calmez-vous. Allez, on monte. On va leur montrer qu'on est des guerriers africains, on sait pas faire. Moi je vous dis. Moi. Allez, on y va. Merci. Merci beaucoup, Massa. On est ensemble. Ok, merci d'être. Merci à toi d'être venu. On va à l'Elysée. Allez hop. On y va. Vous ne voulez pas nous avoir aujourd'hui. On va bloquer les champs, vous allez voir. On est sur les Champs-Élysées. Ils peuvent pas maîtriser cette foule là, c'est impossible. Personne ne peut maîtriser cette foule. Donc on va marcher sur là. Allez, on marche, on y va. Assassin. Bloquez, bloquez, bloquez. Raciste là.
Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.